Ok les amis, on est avec Jules, c'est la première fois qu'il prend l'avion, nous assistons à son premier décollage, ça va arriver dans quelques secondes. Jules, C'est comment tu te déjà sens? pendant. C'est pendant, frère. C'est incroyable. Il fait une interview. On va le laisser profiter de la vue, il regarde un petit peu l'extérieur du cockpit. Ah, la vue, elle est magnifique. Ah oui. Attention. Viens, on lui fait croire qu'il va se cracher l'avion. Oh, dis pas de l'avion. J'ai rien dit. Moi j'aime trop le début. Non mais je sais pas si vous aussi, mais quand vous décollez, ça fait une sensation dans le... Ouais. Dans le bas du ventre. Ouais, ouais. Et je ne dirai pas où, mais dans ça le fait une sensation. Bah, bien bas. Je suis d'accord. Pas jusqu'au pied. Ouais. Mais pas jusqu'au genou non plus. Aux adducteurs. Ça y est, on va se mettre sur la truc. Ouais, il va très vite. Non, moi de vrai, j'ai pas peur. Non mais c'est juste qu'à un moment, tu vas entendre la vue, il va faire... Non. Je t'ai jamais fait ça là. Ah oui, ouais, je vois. Ah mec, c'est pas mal. On est juste devant le réacteur. Est-ce que vous, dans l'avion, vous laissez ça ouvert? C'est pour que ça mette l'air. Est-ce que vous laissez ça ouvert ou pas? Moi, personnellement, je le fais en chaud. Ouais, non, ouais, c'est bien 20 minutes, mais après, ça te met un torticolis. C'est très sympa. Et ouais. C'est très sympa. Il guette, il s'arrête. C'est pas là, c'est pas là. C'est juste là. T'es prêt? Moi, là, dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah oui, il part direct. Allez, Jules. Ah, vous, c'est incroyable. Ouais, je suis une dingue en vrai. Ouais, dinguerie, hein. Je suis content, hein. Ah ouais. Ouais, ça bombarde, hein. Ah ouais, c'est incroyable. J'étais ou pas? Oh, ouais, mec, regarde, on décolle ça. Merde. Ah, c'est incroyable. Oh, mais moi, je kiffe, frère. Mais moi, je kiffe. Mais gros, c'est dinguerie. Par contre, ça m'a pas fait l'effet que vous m'avez dit. Non, non. Ah ouais, non, ça, c'est nous qui sommes bizarres. Franchement, incroyable, je pensais pas que ça allait aussi vite. Mais. Ouais. On est encore en Y, là. Ouais, ouais. On est en Y. Ouais, là, il tourne, mais c'est à l'aéroport de Nice, c'est normal. Bon, allez, on se retrouve à Amsterdam. Ah, c'est bien là. Oh mec, ouais, il a un gros gars avec la skin. On a bientôt atterri. Donc voilà le quartier rouge. Pas du tout. Moi j'y vais pas pour le quartier rouge. C'est bon, on est arrivé les gars. Non, on n'est pas arrivé. Maintenant on va sortir de l'avion, c'est parti. Oh, let's go. Première fois que je suis au Pays-Bas de ma vie. On va commander un Bolt et ensuite direction hôtel Plantage. Ouais, mais commande-le d'abord, non, au lieu de filmer. Non, parce que regarde, c'est stylé ça. Ah ouais. L'ambiance est hyper sombre, honnêtement, il y a de la buée partout. C'est pas la même que... J'ai l'impression qu'il y a Jack l'éventreur qui est là dans un coin qui va me... Ah oui, non, il est glauque. Mec, c'est quoi ça? Mais mec, comment c'est possible? C'est pentu là. Jules, il arrive. Oh, je vais dans un grenier, frère. Oh, mais regardez. Un gris, frère. Purée, c'est des trucs des films d'horreur ça. Ah mais regarde là, frère, c'est là. Jules, pris, ouvre et on va filmer. Ta 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 ta. Mec, elle est immense la chambre. Oh mec, elle est bandante. Oh, elle est incroyable. Attends. Ah ouais. Bah... Oh, la vue. Ah elle ouais est... non, pas de vue. Allez. Oh, ah, c'est quoi quoi? Ah ok. Bon bah c'est des chouettes classiques. Ah les gars, je suis trop content. Les gars, ce soir on sort, on n'a pas écouté les conseils de mettre des doudounes, on est sorti au calme. Ah mais quand tu parles, tu fais... Ah ouais. Bon, j'espère qu'il fera pas trop froid, on vous tient au courant. Puis voilà, on va bien s'amuser. J'ai faim. Ça sent la beu sa mère. Ouais. Les gars, on est avec le mec le plus grand qui a jamais existé. Qui est 2m70 le ref. Petit monument qui fait plaisir. Ça me fume, je comprends rien à ce qui a marqué. La grandeur des places et des rues, c'est incroyable, vraiment. Regardez juste la taille de ce bâtiment. Je sais pas ce que c'est, mais il est incroyable. On est carrément au quartier rouge. Oh, il a qu'à sortir le tel. Non, franchement, c'est beau, hein. C'est beau. Coucou. Normalement, on n'a pas le droit de trop filmer, mais c'est une dinguerie. C'est un niveau de folie. Mec, l'ambiance, elle est incroyable. Moi les gars, j'ai pris shrimp taille. Oh là là là. Oh, les frites parmesan, frites à crevettes. Et toi t'as pris quoi? Bacon cheddar. Oh là là. Oh là là. Mmh. 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 J'arrive pas à piquer, c'est quoi ça? Oh, il est la merde, le parmesan. Ah, le parmesan il est pas mal. Vas-y. Mmh. Les vôtres elles sont meilleures. Oh, celles de jus elles sont trop bonnes. Ah, elle est moins bonne, c'est de Thomas. Ensuite moi et ensuite jus. Ah. Ah ouais, j'ai plus le meilleur choix les gars. 14 balles. Ah ouais, non mais... Bon les gars, on va pas revenir sur les événements passés d'hier soir. Je pense qu'on va attaquer la nouvelle journée avec un petit cut des familles. On va faire la Heineken Experience et une croisière. Et on va manger au marché
d'Amsterdam, ça va être cool. Oh là là. Il fait froid dans ce pays quand même. Hein. On aurait été mieux à Nice. Hein. Ah ouais, ça a l'air trop bon. Ouais. Ah, chine, frère. Bien que bon. Et toi, tu prends quoi? La cannelle. Mec, avec du sucre. Chine, chine. Oh, le creux de la boîte là. C'est la cannelle, non, c'est bon. C'est vrai? Ouais. T'aimes la cannelle? Ah, oh, j'adore. Bah, vas-y, mange. Oh, mec, lui, il est. Il a plus de goût, lui, mais il est bon aussi. Hein. On est carrément en train de prendre le métro. Direction Amsterdam station, là je vais rejoindre des potes qui sont venus, qui habitent aux Pays-Bas. Bah il arrive, regardez. Nord, direction nord, ria. Vas-y, c'est grand hein. Il y a plein de lumières vertes et tout, c'est incroyable. Les sièges, c'est du dur. Une dinguerie comment il pleurait, je suis trempé. Là on va aller à Heineken Experience, parti mon pote. T'as pas froid là? Non. Oh, le nombre de bouteilles. Oh, je fais le musée, je suis trempé, je suis un chien battu. Le musée commence simplement en nous expliquant l'histoire de la marque, ainsi que la fabrication des bouteilles et de la bière. Puis, on nous montre les immenses cuves. Panoramix, man. Je fais la potion magique. Oh, mec, c'est... C'était assez cool, il y avait plusieurs expériences. Tu pouvais voir et te transformer en bière même. Et t'avais même des bières gratuites. Je sais qu'il y en a qui vont le faire juste pour ça. Sur la route du retour à l'hôtel, bien évidemment, il a plu. Mais ça rajoutait un petit charme et ça nous mettait vraiment dans l'ambiance. Et ouais, c'est ça Amsterdam. Je suis mouillé comme jamais. Ça fait plaisir. Finalement, ça fait pas si plaisir que ça parce que vraiment, il a plu des cordes. Mais c'était une dinguerie. J'étais dans une piscine municipale, j'avais l'impression. Vraiment, on avait payé 36 euros de pâtisserie. On s'est défoncé. Mais bon, j'étais trop fatigué pour vous filmer. Troisième jour à Amsterdam. Aujourd'hui, il fait beau, il fait chaud. Les nanas sont de... Non. Mais il fait beau, il fait chaud. Un peu de vitamine D, ça va me faire plaisir. Du coup, aujourd'hui, c'est le dernier jour. Thomas, t'as réservé un petit restaurant. Petit resto italien. On va se régaler. Hein. Burrata, entrée, plat, dessert. Obligé chacun. On se la démonte les gars. RDV au resto. Allez. Trop bizarre de jour, ça change tellement l'ambiance. Petite anecdote, c'est la première fois qu'on faisait un restaurant assis à trois. Le midi on mange italien. Ça fait 3 ans que je connais Thomas, je m'étais jamais assis à table avec lui, on a fait que des snacks. Et du coup Amsterdam, c'était l'occasion. Burratina di bufalina. C'est super bon. Mec. Oh mec, c'est un banger. Le truc de fou Amsterdam, c'est que tu peux pisser dans des spirales comme ça. Genre là, le mec, il est en train de... Pour éviter que tu pisses dans la rue, bah tu pisses dans la spirale, genre. Mmh. Oh bah bien sûr. Ah bah on est d'accord là. Sans plus. Ah les gars, c'est trop beau, c'est incroyable. C'est trop ce pays, il pleut toutes les 2 minutes. Y'a personne qui respecte. Oh mec, il dort, ça c'est incroyable. Ok, on rentre dans le canal. Ah là, c'est incroyable. Il fait chaud, il fait quoi? La petite croisière, c'était vraiment sympa. Ça se voit qu'ils font ça depuis longtemps parce qu'il y avait vraiment des très belles décorations et illuminations. Oh les gars, chine. Ah les gars, c'est sacré. Allez, bonne app. Oh, c'est un plat néerlandais, c'est quoi des beaten bull? Oh mec, c'est tellement chaud. Ouais, c'est bon. C'est du fromage avec, je sais pas. Quelqu'un a son truc. Oh là là, guacamole burger. Toi t'as pris le gringo. La viande est un peu sèche par contre. Ça c'est bon. Sauce aux champignons. On reste dans le thème. C'est bon aussi. On part dès l'hôtel. Au revoir petit hôtel, petit escalier. Ah, c'est pas très beau hein. On va aller au musée de l'illusion avec les frérots. Je viens de rentrer dans le tram. Il y a un contrôleur dans le tram, c'est une dinguerie pour acheter les tickets. Let's go, on est arrivé devant. En vrai je suis content, ça va être bien cool. Mec, j'ai déjà la tête retournée. Ah ouais. Franchement, le musée d'illusion, c'était cool. C'est pas un must do vraiment des trucs à faire, mais bon, si vous savez pas quoi faire, allez-y parce que c'est vraiment. Ok, les gars, celui qui a le meilleur outfit gagne. Vas-y, je suis parti. Petit Burger King à l'aéroport avant de prendre le vol. 20 nuggets. Long chicken. Merci à toi si tu as regardé jusqu'ici parce que déjà t'es un vaillant, tu peux te féliciter. Si vous vous demandez pourquoi je fais des vlogs sans énormément de montage, sans musique, sans qualité comme mes formats de d'habitude, c'est surtout que je vois ça comme un souvenir de jeunesse que je pourrais regarder plus tard, même que je pourrais montrer à mes enfants. Donc pourquoi pas les partager en plus avec vous si ça vous fait plaisir. Bref, si t'es vraiment arrivé jusqu'ici, écris un commentaire. J'aime les écrevisses avec un petit peu de mayo, mais pas trop parce que sinon après ça donne un goût de... Ça va être super drôle dans les commentaires. Bisous.